Bien, je vais vous présenter là un trolleybus qui a fonctionné entre les années 1947 et 1975, 28 ans. Il n'est pas tout jeune, vous pouvez vous en rendre compte. Ce véhicule a été construit par la société Vectra avec des composants fournis par déjà à l'époque Renault et Alstom. Donc ce véhicule était piloté par un conducteur, bien sûr, et un receveur. Et ces gens-là étaient terriblement sollicités parce qu'ils ouvraient les portes et les fermaient à la main. Et je peux vous assurer que physiquement, c'est très éprouvant. Voilà. Alors, ce véhicule pouvait transporter 60 personnes. Bon, passons sur ses dimensions, hein, 2,40 m de large, 9 m de long. 7 tonnes quand même, hein, et 11 tonnes en charge. Sa puissance, par contre, 100 chevaux électrique. Voilà. Alors, on l'a exploité principalement sur les lignes de Dorient-la-Rivière, Bellevue-Firminy, une ligne assez longue, hein, qui fait 10 km pour Bellevue-Firminy, et surtout Tardy-Soleil, avec les pentes. Voilà. Et il a fonctionné, donc, pendant 28 ans. Les premiers ont été fournis entre 47 et 52, enfin 1947-1952, et ce, réformé en 75. Voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ce trolleybus. Voilà, nous sommes donc dans le trolleybus que je viens de citer tout à l'heure, les premiers trolleybus de 200 chevaux, plus petits, hein, hein, on monte par l'arrière. C'était impératif de monter par l'arrière. Pourquoi? Parce qu'on passe devant le receveur ou la receveuse pour prendre son ticket et payer son voyage. On passait devant la receveuse que vous voyez devant moi, hein, qui est toujours souriante. On voit qu'elle est jeune, hein. Voilà. Ensuite, cette même receveuse avait ouvert la porte pour me permettre de monter tout à l'heure. Et maintenant que je suis à l'intérieur, elle va la fermer. Regardez comme c'est dur. Vous vous rendez compte? Les muscles qu'elle avait à l'époque. Hein? Vous imaginez un peu ça? Et ceci, cette opération, tous les arrêts, tous les 300 mètres en moyenne. Voilà. Après, le conducteur démarrait lorsqu'elle avait donné l'autorisation, qu'elle avait fermé la porte. Le conducteur pouvait démarrer. Alors, le client payait, donnait sa monnaie et la conductrice lui donnait un ticket. Voilà. Un ticket qu'elle prenait là-dessous, voilà, dans les tiroirs. Hein? Voilà. Ensuite, je suis client. Je traversais dans le véhicule, je m'asseyais. Donc voilà, donc nous traversons le véhicule. Alors je vous montre ici les sièges. Une anecdote très importante que je ne l'aurais oublié, c'est que les sièges, tous ces vêtements, étaient fabriqués par l'entreprise au service de la sellerie. Nos selliers fabriquaient ces sièges avec leur machine à coudre. Il y avait trois selliers dans l'entreprise qui fabriquaient tous les sièges, tous les revêtements de sièges. Voilà. Tout ça. Et là, on va traverser, on va continuer à traverser. Vous avez vu les mains courantes pour tenir, hein, vous remarquez. La sonnette ici, pour obtenir l'arrêt, il fallait sonner pour que le conducteur s'arrête et ouvre la porte, pour indiquer, il y a plusieurs sonneries, hein, voilà. Ensuite, vous pouviez vous asseoir à côté du conducteur, c'était parfaitement autorisé, hein. Lui, il avait le même travail que la receveuse ou le receveur derrière. Il fallait qu'il manœuvre. Et c'était très difficile pour ouvrir et fermer la porte. Vous vous rendez compte? C'était très dur. Voilà. Juste tous les au code de la route et tout ça, hein, toutes les précautions à prendre pour conduire le véhicule. Voilà. Alors, la montée, c'était par l'arrière et on redescendait par devant. Derrière le trolleybus qu'on vient de découvrir, et vous savez qu'il fonctionne avec de l'énergie électrique. Mais pour capter cette énergie électrique, eh bien, on a besoin d'avoir
des perches qui viennent se mettre tout le temps, comme tu dis, hein. Et quand on déperche, eh bien la perche elle part dans la nature, là-haut, il faut la retenir. Heureusement, il y a ce qu'on appelle un enrouleur, ainsi, qui vient retenir la perche et l'empêcher d'aller au-delà des fils. Voilà. Et le conducteur, eh bien naturellement, est obligé de descendre de son véhicule et de remettre les perches sous la ligne, voilà, sous les fils, hein, comme vous pouvez le voir. À peu près ce qu'on peut dire sur ce trolleybus. Il est au musée, les visiteurs du musée peuvent monter à l'intérieur, n'est-ce pas? Voir éventuellement manœuvrer les portes pour voir physiquement l'effort physique que ça génère. Hein, on a fait des tests avec des visiteurs plusieurs fois. Hein, ils sont tous très heureux de pouvoir le visiter. Et même certains jeunes veulent se mettre à la place du conducteur, n'est-ce pas? Vous devez vous en douter. Voilà à peu près ce que je pourrais dire sur ce véhicule.